Ok, c'est quoi ta question? Pourquoi tout le monde veut être prédicateur? Je suis convaincu que tu as la réponse. Pourquoi ton avis? Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9, la Bible dit que nous sommes tous des prédicateurs. Et ensuite, dans 1 Pierre 3, verset 3, la Bible dit que nous sommes tous des prédicateurs. Et il est dit que tout le monde ne doit pas être docteur. Parce que nous sommes dans un corps. Et tous les membres du corps n'ont pas la même fonction. Donc dans un corps, tous les membres ne cherchent pas à être la main droite. Tu vois, non? Et parce que les docteurs, ceux qui enseignent tout le temps, seront sévèrement jugés. Tout simplement à cause de ça. Mais maintenant, beaucoup veulent être docteurs, prédicateurs, pasteurs, apôtres, parce qu'ils veulent de l'argent. Et ne cherchez pas les titres. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Il y a quelques jours, Ikekedoya. Dieu m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Vous voulez que je vous le partage? Oui. Ouais. Dieu m'a dit, tu sais que quand je créais les arbres, je les ai créés en même temps que le fruit. Je dis, mais Seigneur, comment ça? J'étais en prière, hein, je dis, mais c'est bizarre ça. Et il me dit, dans Matthieu chapitre 7, Jésus a dit, on reconnaît un arbre comment? Donc, quand Adam a vu un manguier, s'il n'y avait pas les fruits dessus, il n'aurait pas su que c'était un manguier. Amen. Amen. C'est lui qui a donné des noms aux animaux et aux plantes. Donc Dieu a créé les choses avec les plantes avec leurs fruits. C'est pour dire que laissez les autres voir les fruits que vous portez et c'est comme ça qu'on va vous reconnaître. Dans les églises du système, le système religieux, on va nommer les gens et on s'attend à ce qu'ils portent des fruits. C'est ce qu'on appelle l'ordination. Et c'est parce que Dieu veut. D'accord? Dieu nous établit et il nous fait porter des fruits et ce sont les fruits qui définissent de quel arbre nous sommes. Donc laissez Dieu témoigner de vous. Amen. 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 Oui. Attends, vas-y. Vivant en Christ, ton vivant, que les titres, le porte, le peuple, le cas,
Dieu fait ce qu'il veut. Oui, il peut le faire. Mais il ne faudrait pas que cet enfant de Dieu aille parler de ses besoins aux frères et sœurs. Surtout s'il est prédicateur. Un dirigeant ne doit jamais demander de l'argent aux gens qu'il dirige. Sinon, il va perdre son autorité. Tu vois, non? Et il faut vraiment faire attention. Paul l'a dit. Qu'il n'était pas une charge pour les chrétiens. Nous avons, comme tu le sais, tu es en France, beaucoup de frères et sœurs qui sont touchés par le Seigneur. Nous avons des frères qui sont footballeurs. Ils gagnent bien leur vie. Il y en a un Camerounais, il gagnait 200 000 euros par mois. Je ne lui ai jamais demandé un euro. On a des frères et sœurs qui sont touchés, qui sont ministres, qui sont des gens bien placés dans le monde. On ne va pas faire de la mendicité auprès d'eux. Donc, il faut faire attention. Si c'est Dieu qui demande à un de ses enfants de ne pas travailler, il va pourvoir à ses besoins. Mais il ne va pas te demander de ne pas travailler indéfiniment. Amen. Une autre question? J'aime bien vous parler. Amen. Ma question est la suivante. Je veux savoir comment être dans la présence de Dieu. Et aller plus loin, comment tenir bon jusqu'au bout avec Dieu. Et aussi, comment être toujours motivé à la marche chrétienne. Il dit bien, le que on en a mal pour un coup. Et il y a plein de cadeaux pour le que on en a d'eau. Et toi, quoi? Le que on te a vanya. Là, c'est des questions vraiment essentielles. En fait, comment être dans la présence du Seigneur? Comment, qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir jusqu'à la fin? C'est ça, non? Et la troisième, c'est... Voilà. Donc, en fait... Je dirais que c'est la même question. Et la réponse est dedans. C'est la présence de Dieu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour tenir jusqu'à la fin? Il nous faut la présence du Seigneur. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas tomber dans le péché? Il nous faut la présence du Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avec la, dans la présence du Seigneur? Vous avez... Est-ce que vous pouvez me donner le nom de quelqu'un dans la Bible? Avec qui Dieu a marché. Oui. Il n'y a personne. Personne. Oui et non, mais c'est, en fait c'est une question un peu piège. C'est écrit nulle part que Dieu a marché avec un homme. C'est plutôt les hommes qui marchaient avec Dieu. Il y a tout un enseignement à recevoir de ça. Regardez. Si on dit que Dieu a marché avec Enoch, ça veut dire que c'est Enoch qui dirigeait Dieu. C'est-à-dire que Dieu suivait Enoch. En
En fait, on nous dit à chaque fois que c'est Dieu, c'est l'homme qui marche avec Dieu. Enoch marche avec Dieu. Noé marcha avec Dieu. Le Seigneur a dit, si quelqu'un veut venir après moi, voyez, non? Après. Nous marchons après Dieu. Voyez, pour tenir, il faut marcher avec Dieu. Si Dieu s'arrête, tu t'arrêtes. Si Dieu va à droite, tu vas à droite. Il va à gauche, tu vas à gauche. Quand le Seigneur m'a touché, j'étais jeune, enfant, de vie. Et à un moment donné, quand je commençais l'œuvre, il m'a demandé de quitter le système dans lequel j'étais. Et bien sûr, il y a parce que nous marchons avec lui de gloire en gloire. Je dirigeais, comme vous le savez, une église de près de 800 personnes. Et on croyait en la dîme à l'époque. L'église où j'étais pasteur, on avait 10 000 euros de dîme par mois. En France, ça fait combien à peu près? 6 millions. 6 500 000. Et le Seigneur m'a dit de tout abandonner. Il m'a dit que c'était la loi. Donc il voulait que j'aille plus loin avec lui. Il m'a donné une vision. Je montais une montagne. L'escalade était très difficile. Ma voiture se cabossait, se retournait parfois, c'était compliqué. J'arrivais au sommet, j'avais la gloire de Dieu. Je me suis dit, je reste ici. Jésus va m'apparaître. Et il va me montrer devant moi une chaîne de montagnes, plusieurs montagnes. Il me dit, il faut redescendre pour monter les autres montagnes à chaque fois. Montagne, monter, redescendre, remonter, redescendre. Et je lui ai dit, non, je reste ici. Parce que j'ai souffert pour escalader cette montagne déjà. Il me dit, si tu restes ici, je continue. Et je lui ai dit, Seigneur, je te suis. Vous voulez aller loin avec Dieu? Suivez-le. Et c'est difficile. Parce que quand il m'a demandé de le suivre, en abandonnant la dîme, les bâtiments d'église, en abandonnant mes collaborateurs pasteurs, je savais que j'allais perdre beaucoup, beaucoup d'amis pasteurs. Et ils m'ont tous fermé la porte de leurs églises. Et j'avais le choix. Rester avec ses pasteurs. Gagner des millions. Et suivre le Seigneur. Et le retrouver seul. Préférer le Seigneur. Donc, pour être dans la présence du Seigneur, il faut tout simplement l'obéissance. Les gens pensent qu'il faut jeûner 3 jours à 7, tout ça, faire de longs jeûnes. Il faut faire 4 heures en langue. Prier en langue pendant 4 heures. Jésus-Christ, homme, ne parlait pas en langue. C'est tout simplement l'obéissance. Le secret de la gloire de Dieu se trouve dans l'obéissance. Vous savez pourquoi? Parce que l'obéissance implique la mort. Dieu dit, tu ne touches pas la femme d'autrui. Tu ne touches pas. Dieu dit, tu ne voles pas l'argent qui lui est destiné. Tu ne voles pas. Pourquoi sommes-nous dans cette confusion dans le monde? Pourquoi le monde est si malade? C'est à cause d'une seule chose.
La désobéissance. Je suis allé à Martinique. On m'a donné 3 000 euros. 3 000 euros. Dieu me dit, tu ne touches pas. Il me dit, mais j'en ai besoin, Seigneur, il ne touche pas. J'ai donné ça à quelqu'un. Pour construire l'orphelinat. Et Dieu a ajouté encore 27 000 euros, on a donné à cette personne. À peu près 20 millions. Et là, il y a 1 million, blavé. Et après, il m'ouvre des portes ailleurs. Tu vas quelque part, quelqu'un te donne l'argent, Dieu dit, tu ne touches pas, tu donnes à cette personne-là. Il te réveille à 4 heures du matin pour la prière, tu pries. L'obéissance. Il y a beaucoup d'handicapés, des malades devant toi. Ils demandent la prière. Dieu te dit, ne prie pas pour celui-là. Pour celle-là, pour celle-là, pour celle-là, pour celle-là, mais prie pour celle qui est au fond là-bas. Et on l'a dit bientôt, Brahma, le dame, moi, tu fais seulement comme ça. Et si le corps là-bas. Lève-toi, la personne commence à marcher. Et elle avait cassé le nez, mais un petit quoi, l'obéissance. Ce n'est pas parce que j'ai beaucoup prié. Mais il n'y a pas en Afrique. L'Afrique. Beaucoup ont été mal enseignés. On vous a fait croire que si vous jeûnez, si vous priez beaucoup, vous aurez tout de Dieu. On vous a fait croire que si vous donnez la dîme, si vous donnez de l'argent, si vous êtes fidèle à l'église, vous aurez tout. C'est l'obéissance. Je prends un exemple. Dieu te dit, lève-toi. Va à tel endroit. Ah, il te fait avec. Toi, tu te dis, non, moi, je veux prier d'abord. Tu pries pendant 2 heures, 4 heures, 5 heures. Dieu ne va pas t'exaucer. Et quand tu vas aller à cet endroit-là, alors que Dieu t'a dit d'aller à midi, et toi, tu y vas à 14 heures, tu arrives, tu pries pour la personne, on n'est pas guéri. Mais celui qui obéit, il va prier même pas 5 secondes. Et la personne sera guérie. L'obéissance. Beaucoup de chrétiens africains aiment les choses du Seigneur. Mais un manque d'enseignement. Beaucoup mentent facilement. Beaucoup peuvent se battre pour la nourriture, pour les vêtements. Parce qu'ils ne sont pas dans l'obéissance. C'est l'obéissance. Il y a une prière qu'on appelle Shema Israël. C'est la prière la plus connue chez les Juifs. La plus faite. Shema Israël Adonai Adonai Hero. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Très bien. Comme il a dit. Oui. C'est ça? Oui. Oui, j'ai eu l'interprétation. On acclame le Seigneur. Oui, il donne les dons à ses enfants. Alors, dans cette prière, la première des choses que l'on voit là-dedans, c'est Shema, Shema, Shema. Shema, 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 Shema. Dieu prend Ézéchiel. Ézéchiel. Il l'amène dans une vallée pleine d'ossements desséchés. Il lui pose une question simple. Fils de l'homme, ces os peuvent-ils revivre? Il dit au Seigneur, toi seul le sais. Dieu lui dit, parle aux ossements. Dis-le. Shema. Shema. Adonai. Adonai. Shema. Shema. C'est écouter. Enibe asem. Et en hébreu, le hébreu est le verbe écouter enyabe senua vient de Shema. Edoso Shema. 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 Signifie d'abord entendre. Enibe asem. Ensuite, obéir. Et j'entends,
Je comprends et j'obéis. C'est ça le chemin. Si je dis Yaka, tout le monde a entendu. Mais tout le monde n'a pas compris. Comment voulez-vous comprendre? Comment voulez-vous obéir, pardon? Si vous n'entendez pas, si vous ne comprenez pas. Shema, Shema veut dire j'entends avec l'oreille gauche. Je comprends avec l'oreille droite. Et j'obéis par mes actions. Vous comprenez? Donc j'entends Dieu me parler. Je comprends son langage. Parce que tout le monde ne comprend pas. Et j'obéis. Et le succès est dans ça. Tout simplement. Dieu nous enseigne même sur notre manière de nous alimenter. C'est pour cela toutes ces années, il nous donne la santé. Parfois je suis là, il me dit, mange tel fruit pendant quelques temps. Parce que ça te soigne. Amen. Amen. Restaurant vient du quel verbe? Restaurer, n'est-ce pas? Donnez-moi un synonyme de restaurer. Rétablir. Amen. Renouveler, réparer. Donc ça, je veux une parenthèse que j'ouvre. Concernant l'obéissance. Beaucoup de chrétiens sont malades. Beaucoup d'hommes sont malades parce qu'ils n'obéissent pas au Seigneur. Ce ne sont pas toujours les démons qui les attaquent. C'est la désobéissance. C'est pour ça que c'est la base, l'obéissance est la clé du succès. Vous comprenez? Amen. Amen. On était en train de discuter sur... quelqu'un qui ne veut pas se conformer à la parole. On le parle, il ne change pas. Est-ce qu'on va le renvoyer de l'église? Les autres disent qu'on va le discipliner, mais je ne connais pas comment on discipline quelqu'un qui ne se conforme pas à la parole. Merci. Ça dépend, la personne fait quoi exactement? Ok. Par exemple, quelqu'un qui aime à boire et on parle, il ne change pas, mais il est toujours avec nous. Ou bien quelqu'un qui est deuxième sur le foyer, elle ne veut pas quitter le mari, mais elle est toujours avec nous. Comment on peut gérer ces choses? On applique Matthieu 18:15 d'abord. Si ton frère a péché contre toi, tu le reprends entre toi et lui. Si tu écoutes, tu l'as gagné. Si tu refuses d'écouter, tu prends un ou deux témoins. Si tu refuses d'écouter les deux témoins, tu prends l'église. Si tu refuses, ben on le considère comme un inconverti. Prier avec la personne. Parce qu'on se trouve dans la compromission. D'accord? Donc, pareil pour les personnes qui sont deuxième femme ou troisième femme. On ne menace personne. On ne brutalise personne. Dans l'amour, on leur fait comprendre les choses. On leur montre la parole. Si la personne refuse, on s'en sépare. Parce que l'église, c'est l'assemblée des saints. Si les gens veulent se joindre à nous pour prier, ils doivent être en accord avec la parole. Sinon c'est la compromission.
Seigneur dit, là où deux ou trois s'assemblent en mon nom. Et puis ces personnes qui sont malades comme alcooliques, tout ça là, on peut leur dire de rester à la maison et on continue, on peut demander à une ou deux personnes de la suivre chez elle à la maison. Voilà. Mais l'assemblée, c'est vraiment l'assemblée des saints. Vous voulez avoir une association culturelle ou être membre de l'Assemblée de Christ? Donc c'est à vous de savoir ce que vous voulez. On ne condamne personne. Mais on doit dire aux gens, écoutez, ma soeur, tu es une deuxième femme. La parole est contre cela. Le Seigneur a dit que l'homme, Dieu a créé un homme et une femme. Maintenant, si tu continues avec cet homme, tu es un adultère. C'est le mari de quelqu'un. Cet homme avec qui tu as des enfants doit s'occuper de ses enfants. Ça, il n'y a pas de problème. Mais tu ne peux pas continuer à avoir des relations avec. Restez avec nous. Vous avez vu tous les combats que j'ai, non, au niveau de l'Europe. Comment je suis insulté tout le long. Parce que je prends position pour la vérité. Un pasteur qui couche avec une femme, on lui dit de s'asseoir. Et s'il refuse, on s'en sépare. C'est pour ça que beaucoup parlent dans la rébellion. Pas de compromission. Et après, voilà ce que Dieu fait. Les conversions, les repentances, le réveil. Sa sainteté qui se manifeste. Sa gloire qui se manifeste. Qu'est-ce que vous voulez? Le Seigneur n'a pas dit là où il y a une foule des gens, là où deux ou trois s'assemblent en son nom. Je sais qu'ici il y a des gens qui sont dans la masturbation. Il y a un qui sont dans l'impudicité. Je sais. Donc il faut le discernement et il faut de l'ordre. Amen. Amen. Voire même la sorcellerie. Qui veut arrêter le péché sexuel? Mais merci. Qui d'autre? Merci. 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 Voyez, il y en a plein. Quoi? Au sumbo. Merci. Qui veut arrêter la sorcellerie? Mais qu'est-ce qui est bien le azantio? Une maladie comme une autre. Merci. Et ni dans le labe, on va que. Ça non? Hein? Comment? Ok. Vous voyez, quand il y a ce péché comme ça, là, ça se sent de toute façon là. Comment voulez-vous que Dieu agisse? Il y en a qui sont ici qui volent. Qui veut arrêter le vol? Pas de honte à voir. Il peut t'arriver de piquer. Ton mari est où? Picasso. Toi? Toi? Comment il s'appelle cet enfant? C'est un garçon?
Une fille, c'est la première? Ok. Elle va à l'école? Pas encore. Ça va? Je vais bon. Ah, oui, non. Vous venez du Togo? Ok. Je viens d'avoir une vision là où tu travailles dans un grand champ comme ça. Le Seigneur va vraiment te va donner des terrains là pour vous allez planter beaucoup de choses. Il y aura beaucoup de plantations. Le Seigneur va vraiment donner les moyens par rapport à ça. Il répond de galer que moi où les soeurs sont allés, Aniba galer dit que on a dans le dos. Travailler à votre compte. Alors à Tio d'Aniba dit. Vous travaillez à votre compte. Et à votre temps là quoi. Et produire beaucoup de fruits et vendre et donner aux gens et aider les gens. Et que bientôt, à Tibou Sassé Gedo, que y a son opéra Mouchi. Et le Seigneur va vraiment nous donner aussi une grande maison. Après toi, la soeur, après garder son nom. Qui va accueillir aussi beaucoup de gens. Que là, on a un Gedo, déjà. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Et Yeshua, Christ, au nom de Amen. Amen. Gloire à Dieu. Si vous êtes vraiment mal.